one John Bader from this one. This is my day of all time, and this is my first birthday. This is Team Pempe, and it's not my school. Team China Paul John Bader Puppy. So full name. This is and here is Membo, and Guardian Team Membo. So Sessi and Benzema. And now let's go to the changing, and you should go to Liverpool, and it's go now. So this is my start lineup, and my commentator is French, and so let's go. Allez, c'est reparti. La deuxième mi-temps, donc le coup d'envoi donné par l'équipe de France. Toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Attention à ce ballon. Ouais, c'est un pressing efficace. La course bien tranchante, elle crée des différences dès le départ. La position est aussi très bien disciplinée. Le jeu reprend après ce but concédé par Liverpool. Sous un autre angle. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0. Maintenant, après, non, la perte de balle de Salah. Oh, c'est un bon ballon, ça. Et c'est le but, c'est en fond. Et c'est signé Mbappé. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très profondément devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile. Ah, le score s'aggrave un peu plus. 3-0. Ah, devant le but, il faut frapper. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Oh, attention à ce ballon. Encore une chance. Et oui, le but, splendide, ça y est, le hat-trick s'est fait. Un ballon en plus pour sa connexion. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Ah, il n'y a pas match, les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté, c'est un grosse opportunité, attention! Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé! Oh, la volée qui est bien partie! Mais elle est manquée de peu! Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence! La bonne récupération de Kimpembe! Thiago! Super effort pour récupérer le ballon. Jean-Pierre Papin. Oh, attention, JPP. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Oui, joli réflexe. Ah, la conclusion peut-être sur ce ballon. C'est magnifique. Cette reprise de volée. Et ça fait but. On le revoit sur ces images. Ce sont des départs bien appliqués qui se prend la réponse.
défense. À mon centre, c'est déjà la moitié d'un coup. Il y a la balle le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sortir le but. Et avec ce nouveau but, ah, le ballon intéressant. Et ça chauffe encore. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Et boum, oh là là, penalty, l'arbitre qui signale le point de penalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. Karim Benzema dans la surface. Et ça rend très bien frappé ce penalty. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir au centre. Et le récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but, on est la preuve, la défense est vraiment en souffrance. Oh, ça peut aller au but. Un bon arrêt, mais c'était pas fini. Et c'est encore dangereux. On revoit les images de ce but, le dégagement est raté, la défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne suis pas, mais en rendu, tu fais quelque chose, ne reste pas comme ça, attends. Et nous allons voir à 2 minutes de l'additionnel à jouer. Ah, il y a une faute là, et un coup franc pour Liverpool. Et voilà le coup de sifflet final dans cette. Encore le livre des boules. Thank you so much for watching us.